Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage, comment Jésus a opéré un miracle dans mon corps. Nous sommes au début du confinement, le président de la République déclare que nous sommes en guerre contre un virus invisible. Il se trouve que au moment du confinement, une voisine avait besoin d'aide pour déménager. Et donc, je lui ai opéré mon aide. Elle me dit que c'est des petits meubles à transporter au quatrième étage. Et je lui propose mon aide. Donc, je descends. Et en fait, c'était pas des petits meubles, c'était une machine à laver de 9 kilos. Donc, je l'aide à transporter cette machine au quatrième étage. Mais au moment, au troisième étage, avec l'eau qui était sur la machine à laver, la machine dérape. Et j'essaie de la retenir comme je pouvais, et je mets mon pied en opposition et mon pied vrille et voilà, j'ai mal. Donc je suis rentré chez moi, je suis resté dans mon lit sans bouger. Et je vais garder les enfants parce que ma belle-mère était partie dans l'entrefait à l'hôpital. À la suite de ça, en voyant que mon état s'aggravait parce que j'avais du mal à marcher. J'avais mal au dos, on a consulté un médecin qui m'a envoyé faire des radios. Un IRM, exactement. Donc je passe un IRM au niveau de la colonne vertébrale et on voit sur l'IRM deux hernies discales mal placées. Mais il trouve que ma voile épinière a quelque chose de, comment dire ça, je ne sais plus le terme exactement, mais il y a quelque chose de bizarre. Là, c'est un terme technique, mais ils ont décidé de faire une ponction lombaire pour écarter plusieurs choses. À la suite de la ponction lombaire, le résultat tombe. Et ce résultat est que, en fait, j'ai une début d'une cèpe, une sclérose en plaques. Donc c'est pour ça que arrivé un certain temps, j'avais du mal à serrer quelque chose dans mes mains, c'est-à-dire une bouteille d'eau, j'avais du mal, et que je pouvais plus marcher au-delà de 500 mètres. J'avais mal et je pouvais plus avancer, mais mes jambes ne pouvaient plus tenir. Et donc, voilà, le diagnostic était posé. Et avec ma famille, mon église également, j'avais du mal, je le cachais ça. Comme quoi j'avais mal, mais avec mon église, je l'avais pas déclaré parce que j'avais peur qu'on me mette de côté, j'avais peur qu'il m'arrive de quelque chose. Vous savez, l'être humain est imbu de sa personne et tient à sa place. Mais je sais que j'ai été voir mon responsable spirituel et je leur ai parlé comme quoi ben, il fallait que je ralentisse un petit peu, que en fait, je pouvais plus faire des choses que je pouvais avant évangéliser, qui était une chose importante que ça me tenait à cœur, que Dieu avait mis dans mon cœur. Je ne pouvais plus le faire parce que 500 mètres pour évangéliser, je ne pouvais plus rester debout, c'était compliqué. Et donc, j'ai parlé à mes responsables spirituels et les responsables étaient au courant. Mais l'église en elle-même n'était pas au courant parce que je voulais pas que ça se sache et qu'on me voie autrement, en fait. Et donc on a mis ça dans les mains du Seigneur et on a persévéré dans la prière. Et c'est là qu'il fallait faire le pas de foi, c'est de croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est qu'en fait, au moment où le diagnostic est posé, au moment où souvent on psychote, j'ai regardé par internet, hein, chose à pas faire, pour savoir comment ça allait se passer. Parce que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus jouer avec mes enfants. Ça veut dire que je ne pouvais plus jouer au foot avec mes enfants, je ne pouvais plus partager des moments. Les choses s'enclenchaient, le docteur avait fait des papiers pour la MDPH. La MDPH, c'est pour avoir une reconnaissance handicapée parce que je ne pouvais plus marcher et j'avais un fauteuil roulant. Et donc j'ai une carte d'invalidité, j'ai eu un,
une carte pour le stationnement parce qu'il fallait que je sorte, parce que si en restant chez soi, c'est pas une solution. Mais cela ne m'empêchait pas d'aller à l'église, parce que je prenais mon fauteuil jusqu'à chez moi, jusqu'à l'église, et je faisais 1 km avec mon fauteuil, même si ce soit sur la route. Bon, c'est imprudent, mais voilà, quand on a envie, on a à cœur de servir le Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Voilà. Et donc, il arrive une nuit où je fais un songe, où Dieu me dit, ne t'inquiète pas, tu vas être guéri. Alors cette promesse, je l'ai gardée dans mon cœur, j'en ai parlé à ma femme, je l'ai réveillée, je lui ai dit, mais Seigneur a dit que j'allais être guéri, et après je lui ai dit, maintenant, vas-y, tu peux dormir. Mais malheureusement, elle n'a pas pu dormir, parce que je l'avais réveillée. Mais comme quoi, en fait, la promesse de Dieu, quand Dieu vous fait une promesse, gardez-la dans vos cœurs, parce que c'est important. Donc je sais que Dieu va me guérir, mais je ne sais pas quand. Et cela m'a appris la sagesse et la patience également, parce que je ne savais pas la date où il allait me guérir et comment qu'il allait me guérir. Donc il se passe 3 ans à être en fauteuil roulant, à batailler avec mon corps qui commence à être en difficulté, les objets que j'ai du mal à tenir. J'avais arrêté d'apporter mes messages à l'église parce que rester debout, dans une position debout, était insupportable. Faire les travaux, c'était pas possible. Enfin, j'étais limité. Mais j'avais cette promesse que Dieu allait me guérir. 3 ans après, Dieu me réveille dans un songe et me dit « Maintenant, tu es guéri. » Alors, je me suis réveillé et je pleurais parce que je sentais plus la douleur, je sentais plus rien. J'ai réveillé ma femme, je dis Dieu m'a dit que j'étais guéri et que j'ai plus de douleur. Mais vous savez, quand vous avez duré 3 ans dans la douleur, 3 ans où vous ne pouvez plus serrer des choses, où par manque de foi, par manque aussi de s'habituer à l'habitude de souffrir, l'habitude de pouvoir être limité. Et le lendemain, j'ai quand même pris mon traitement. Mon traitement pour... J'avais de la morphine, j'avais tout ça, j'avais un traitement pour la SEP et j'avais pris par prévention. Par manque de foi, en fait. Pas forcément par prévention, mais par manque de foi. Et un bon jour, je me suis dit, mais en fait, si Dieu me l'a dit, il n'y a pas de raison. Alors, j'ai arrêté mon traitement petit à petit, parce qu'il ne fallait pas que je l'arrête d'un coup, il fallait que je l'arrête tout à petit. Alors je me suis mis à marcher. Après tout, je vais faire ce pas de foi. Et j'ai fait 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. J'allais regarder mes enfants foot à cette époque-là, jouer. J'allais faire le tour d'un lac qui fait, je sais pas, peut-être 6 km facile. Je pouvais marcher. Dieu m'avait guéri. Dieu avait rétabli dans mon corps que tout ce qui était cassé et la SEP était disparu. Mais pour cela, il fallait que j'aille voir mon médecin parce que tout était enclenché. Toute la sécurité sociale était enclenchée. Donc il fallait que j'aille voir mon médecin. Et donc je viens voir mon médecin, je rentre dans son cabinet et il me dit « Raphaël, qu'est-ce qui t'amène ?» Alors je lui dis « Bah en fait, tout va bien. » Et là, il pose des questions, il dit « Comment tout va bien ?» La dernière fois, je t'ai vu, j'ai vu dans ton corps, on a vu l'examen ensemble, c'était pas terrible. Hein. Il me dit « Non, tout va bien. » Il me fait « J'ai plus mal, je marche. » Il me fait « Oui, j'ai vu que tu marchais correctement. » Je dis « Oui, mais Dieu m'a guéri. » Et il était cartésien. Bon, vous savez, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand un miracle ne s'explique pas. Donc là vraiment, ça ne s'expliquait pas parce que j'étais vraiment... je ne sais pas si je pourrais mettre des photos... sur cette vidéo, mais c'était vraiment, j'étais mal au point, quoi.
Et en me voyant debout, il sort, il tape sur son ordinateur déjà et il dit, mais qu'est-ce que je vais mettre comme motif maintenant? Parce que j'ai marqué un Dieu que Dieu m'avait guéri. Et donc il sort de son bureau, il va voir la secrétaire qui est juste en face, il dit, maintenant je suis bien embêté maintenant. Parce que qu'est-ce que je vais mettre sur mon ordinateur? Oui, parce qu'il fallait défaire tout ce qu'on avait fait. Parce que Dieu m'avait guéri. Et alléluia, je rends gloire à Dieu pour cela. Dieu est un Dieu où les promesses sont réalisées. Quand il promet quelque chose, ce n'est pas un Dieu pour mentir. C'est un Dieu, quand il y a une promesse qui est déclarée sur votre vie, quand il y a quelque chose, gardez-le dans votre cœur. C'est précieux. Donc il se passe cela. Donc je continue ma vie et c'est pour ça que ce témoignage est pour une personne peut-être qui est dans la situation d'handicap, qui a une situation même d'une maladie. Priez, priez et demandez la guérison. Dieu n'est pas insensible à votre malheur, n'est pas insensible à votre douleur et il connaît vos corps. C'est votre créateur, il connaît comment vous marchez, il connaît votre vie par cœur, il connaît même mieux que vous-même. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, des vies vont changer. Ce témoignage, c'est pas pour me glorifier, loin de là. Parce que quand je vois tout ce que Dieu fait dans ma vie, je rends gloire à Dieu, vraiment. Parce que il a changé mon regard, il a changé mon comportement. Même si la vie de chrétien n'est pas un fleuve tranquille, c'est pas celui qui dit qu'il est chrétien et qu'il lui arrive rien. Non, c'est pas vrai. Mais quand Dieu agit, quand vous êtes à l'écoute de Dieu, quand vous êtes à proximité, vous avez cette proximité de Dieu, et bien croyez-le, Dieu agit dans mon cœur. Cette parole qui a été laissée, la Bible qui a été laissée, allez voir le Nouveau Testament, vous verrez tous les miracles qui ont été faits. Et ces miracles qui ont 2000 ans, mais aujourd'hui, ils sont toujours là. Dieu opère toujours des miracles. Regardez, je suis la preuve vivante que Dieu peut agir. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, ou toi, ami, qui connaît même pas Dieu, qui croit que c'est un Dieu sur une croix, c'est un enfant dans un berceau, c'est plus que ça. C'est un ami, le Dieu qui est là, qui est à tes côtés. Et en ce moment, il est à tes côtés, car il est partout. Il est là dans tes difficultés, il est là aussi, on l'oublie souvent, il est là quand vous réussissez. Il est là dans votre malheur, il est là dans votre bonheur. Et quoi qu'il arrive, Jésus t'aime. À très bientôt dans cette vidéo.